Je suis chimiste de formation et donc je suis rattachée au centre de recherche et de restauration depuis une vingtaine d'années. Et ma spécificité, c'est de faire l'analyse des matériaux pour comprendre la fabrication des œuvres, comprendre la dégradation des œuvres et aider dans le cadre de projets de restauration. Depuis le début, je travaille vraiment sur la partie de l'analyse de la matière organique. Ça veut dire que ça correspond à, par exemple dans une peinture, à ce qui est le liant, cette matière qui permet d'agglomérer les pigments. Ça peut être aussi les vernis, les adhésifs. Donc ça, c'est vraiment ma spécificité. Et quand je suis arrivée ici, je travaillais vraiment tout domaine confondu, c'est-à-dire de l'archéologie à l'art contemporain. Et depuis 2008, je me suis spécialisée sur l'art contemporain et surtout les matériaux modernes, c'est-à-dire les matériaux qui sont surtout à base de polymères de synthèse. J'ai choisi cette voie parce qu'en fait, il y avait un gros besoin en ce qui concerne les matériaux de restauration, parce que certains matériaux de restauration sont à base de matériaux synthétiques et on voyait revenir des œuvres qui avaient été restaurées dans les années 60 avec ces matériaux synthétiques et qui posaient problème. Donc ça, c'était vraiment pour répondre à un besoin au niveau de la restauration. Et puis, sur tout ce qui est art moderne et art contemporain, avec des artistes qui utilisent des matériaux très divers et surtout des matériaux qui ne sont pas destinés à durer dans le temps, on a des problèmes de dégradation qui sont assez importants et fréquents. Donc, au fur et à mesure de cette spécialisation vers les matériaux modernes, en fait, s'est vite imposée la possibilité de faire l'acquisition de matériaux modernes et contemporains dans différents secteurs que je vais vous présenter par la suite pour pouvoir justement mieux identifier les matériaux sur les œuvres, développer des protocoles d'analyse qui permettent de bien identifier, d'aller très loin dans une sorte de déformulation de ces matériaux modernes et aussi de pouvoir les acquérir pour garder un témoignage, mais aussi éventuellement mettre en place une expérimentation avec ces matériaux pour éventuellement mieux comprendre une dégradation, développer des protocoles, tester des protocoles de restauration. Dans le cadre de cette collecte de matériaux modernes et contemporains, on va dire, il y a plusieurs secteurs. En fait, ça a commencé quand même en 2008, dès que j'ai commencé à m'intéresser aux matériaux synthétiques avec un projet européen dédié à la préservation des objets en plastique qui s'appelait PopArt, Preservation of Plastic Artifacts. Et c'est là où on a vraiment commencé à collecter des plastiques pour voir par quelle méthode, par différentes méthodes d'analyse, on pouvait les identifier. Donc, c'est-à-dire, quand on parle d'identification, c'est différencier un polyéthylène d'un PVC, d'un caoutchouc, et aller plus loin vers la caractérisation, c'est-à-dire aller jusqu'à identifier les additifs. Par exemple, dans les PVC, dire si on avait un tel ou tel plastifiant. Donc là, ça a été vraiment la première collecte de plastique et on a commencé à collecter des échantillons de référence, donc des plastiques, on savait exactement ce que c'était, on les achetait auprès de fournisseurs. Et puis après, on a acheté des objets de la vie de tous les jours. Alors pour ça, on allait les acheter au marché aux puces, dans les vide-greniers, sur les sites de vente aux enchères comme eBay et autres. Et on les achète neufs, on les achète dégradés, si on peut, on les achète en série. Vous avez là une superbe balance terre-rayon avec une dégradation du couvercle, la dégradation qui en fait est expliquée. Là, on a ce qu'on appelle les points d'injection. Et les points d'injection, c'est le point de départ de la dégradation. Ça, c'est une étudiante qui est en stage chez moi, qui, pareil, a pris le virus vide-grenier et qui m'a ramené cet petit objet qui est en fait en PVC. Et il est fort intéressant celui-ci, puisqu'en fait là, on est sur les premiers plastifiants des PVC, qui ne sont pas les phtalates qui nous posent aujourd'hui problème. On reconnaît que le phtalate est toxique. Là, en fait, on a une plastification avec des acides gras. Et en fait, si un objet en PVC en phtalate suinte, il va être collant, il va être gluant, alors que là, avec un acide gras, en fait, il va se couvrir de poudre blanche. Et en fait, à l'analyse, là, j'ai exactement de l'acide gras.
Et donc ça a été vraiment la première matériothèque qui s'est constituée et qui en fait se constitue tout le temps, puisqu'au fur et à mesure de nos besoins et parfois de nos découvertes fortuites, on va acheter des objets. Après, on a été impliqué dans un projet avec l'Art Institute de Chicago qui travaillait sur l'utilisation des peintures Ripollin par Picasso. L'idée, c'était de voir si il était possible, toujours par les techniques d'analyse, d'identifier ces peintures dans les œuvres de Picasso, de voir si elles se dégradaient de la même façon ou pas par rapport à des peintures qu'on a qualifiées donc de beaux-arts, donc ces peintures qu'on peut acheter chez Le Franc-Bourgeois, Sennelier et autres, et voir si, au final, il y avait un besoin spécifique en termes de conservation et de restauration. Donc là, on a commencé une deuxième collecte de peintures industrielles, qu'on a appelées peintures industrielles. Ce sont en fait toutes ces peintures que Picasso a pu aller acheter à la quincaillerie du coin et que certains artistes ont aussi achetées pour des soucis économiques, parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens d'acheter des tubes de peinture Beaux-Arts. Donc il y en a certains qui achetaient soit des peintures toutes prêtes à l'emploi, Ripollin, Astral, Novemaille, Valentine et autres, ou d'autres qui en fait achetaient des liants. J'ai un exemple en tête qui est le liant Caparole, qui est utilisé plutôt pour peindre des murs. Et en fait, ils mélangeaient ce liant avec les pigments. Ils fabriquaient eux-mêmes leur peinture. Et voilà, on a commencé donc à cette collecte de peintures dites industrielles. Alors bien entendu, les artistes utilisent aussi des produits Beaux-Arts, donc tels que ceux qu'on peut acheter dans les magasins labellisés Beaux-Arts. Et donc en parallèle de ces peintures industrielles, on a aussi continué une collecte de peintures Beaux-Arts qui avait été commencée dans les années 80 au niveau du C2RMF par une personne qui avait développé justement un protocole d'analyse des peintures modernes type acrylique et vinylique. Récemment, on a été questionné par rapport à une œuvre de Nikita Saint-Phalle sur l'utilisation de peintures en bombe. Donc maintenant, il y a une nouvelle petite matériothèque qui s'ouvre avec l'achat de peintures en bombe telles que les graffeurs peuvent les utiliser. On les achète, on les récupère aussi. Le point de départ de collecte par rapport à ces différentes matériothèques, c'est quand même toujours par rapport à un problème de conservation et de restauration d'œuvres. Par exemple, en ce qui concerne la matériothèque plastique, justement à l'issue du projet européen Pop Art, on a identifié des matériaux. Quatre matériaux qui nous posent vraiment problème aujourd'hui en termes de conservation et de restauration. On a identifié des plastiques qui nous posent problème. C'est notamment les acétates et les nitrates de cellulose qui sont historiquement presque les premiers plastiques. On a les PVC, donc avec ces matériaux plastifiés qui perdent leur plastifiant et donc qui se déforment, qui deviennent collants, qui accrochent la poussière, et tout ce qui est mousse de polyuréthane. Donc suite au constat que ces quatre matériaux qui sont quand même assez présents dans les collections, alors à la fois d'art, quand on parle d'art contemporain, c'est-à-dire d'œuvres réalisées par les artistes, mais il ne faut pas oublier qu'on intervient aussi pour les matériaux modernes sur des collections qui relèvent plus du patrimoine technique et scientifique. Par exemple, on peut intervenir au niveau du musée de la mode, qui a des milliers d'accessoires qui sont faits justement, alors soit en matériaux naturels, comme l'ivoire, comme l'écaille de tortue, mais aussi avec plein de matériaux d'imitation, dont les acétates et les nitrates de cellulose qui posent problème parce qu'ils se dégradent. Et qu'en se dégradant, ils émettent des acides qui peuvent abîmer des objets qui sont conservés juste à proximité. Donc voilà, donc la collecte a toujours quand même comme point de départ une question liée à une œuvre, un ensemble d'œuvres, à une collection ou à un problème de dégradation. L'intérêt de ces matériothèques, outre le fait de répondre à une question de conservation-restauration ou d'un projet de recherche par rapport à un matériau donné, c'est de garder aussi un témoignage de formulations, de techniques qui ont existé quand je vais faire l'achat d'objets anciens ou qui existent aujourd'hui mais qui n'existeront plus demain. Là, l'avantage, je dirais que les objets seront là et on pourra les étudier, ils seront datés,
pour certains, pas tous. Et voilà, on aura comme ça un peu un témoignage d'un savoir qui, dans 20 ans, pour certains matériaux, et peut-être moins, même pour d'autres, ou dans 100 ans, pourront être étudiés pour comprendre les œuvres qui ont été fabriquées à la même époque. On a travaillé notamment qu'on a participé au projet de restauration de la tour aux figures réalisée par l'éditeur d'art Richard Dohette, œuvre donc de Dubuffet qui est présente sur l'île Saint-Germain à Issy-les Moulineaux. Et donc on a apporté nos conseils pour le choix de la peinture par rapport à nos connaissances et par rapport aussi à nos contacts avec des industriels de la peinture pour essayer d'orienter vers le choix d'une peinture qui sera stable puisque cette œuvre n'avait pas été rénovée, ni restaurée, ni nettoyée pendant 30 ans et que là, en fait, elle a été repeinte entièrement. Donc voilà, on arrive parfois à sortir du musée et à sortir de l'œuvre de musée pour travailler sur la partie plus architecture. Pour tout ce qui est monument, en fait, on travaille en collaboration avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Alors, laboratoire qui est effectivement historiquement et plus spécialisé sur les matériaux anciens, mais qui va être amené aussi à développer, je pense, de la recherche et un savoir-faire sur les bâtiments modernes.